Bonjour à tous, c'est bien sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons finalement réalisé nos fameux gyoza, nos raviolis japonais. À ne pas confondre bien sûr avec les tiaotsu, les raviolis chinois. Au niveau de la farce, j'utilise ici donc du porc haché, mais vous pouvez tout à fait remplacer par du bœuf haché ou bien du poulet. Et si vous utilisez du poulet, je vous recommande fortement d'utiliser des os de cuisse de poulet parce qu'il s'agit d'une partie plus grasse et votre farce sera meilleure. Au niveau de la préparation des crêpes pour les gyoza, je vous renvoie à ma précédente vidéo et d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Et sinon, vous allez voir, la préparation des gyoza est super simple, rien de compliqué. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de choux, 300 g de porc haché, 2 tiges de ciboulette asiatique, 30 g de feuilles d'ail, 2 shiitake, 3 gousses d'ail, 10 g de gingembre, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe de saké, 1 demi-cuillère à café de sel et 1 quart de cuillère à café de poivre blanc. Donc dans un premier temps, on va réhydrater nos shiitake. On les met dans un bol et on y verse de l'eau bouillante. Et on va laisser réhydrater pendant une demi-heure. Ensuite, concernant les feuilles d'ail, je les ai préalablement rincées, on coupe la base, on coupe en tronçons, et on va juste émincer nos feuilles d'ail. Et voilà le résultat. Concernant la ciboulette asiatique, que j'ai également préalablement rincée, on coupe la base, on détaille en tronçons et on les mince également. Et voilà donc le résultat. Pour l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe la base et on enlève facilement la partie extérieure. On coupe en deux et on enlève le germe si besoin. J'enlève le germe d'un côté et de l'autre. Voilà. Ensuite, on va détailler en lamelles. Puis, hacher le tout finement. Et voilà donc pour nos gousses d'ail. Concernant le gingembre, je vais tout simplement enlever la partie extérieure à l'aide d'une cuillère à café. Une fois cela fait, on détaille en lamelles, puis en allumettes, et on va hacher le tout finement. Vous pouvez également râper le gingembre à la place si vous le souhaitez. Et voilà donc pour le gingembre. Pour le chou blanc, il ne s'agit pas de chou chinois, mais de chou blanc. On enlève le cœur qui est trop dur. Je détaille en morceaux et on va émincer le chou en fines lamelles dans un premier temps. Ensuite, on hache le tout finement. Sinon, vous pouvez également râper le chou blanc directement sur une râpe. Et voilà le résultat. On reprend maintenant nos shiitake. On essore. Et vous voyez le pied, il est trop dur à être consommé. On va le couper. Une fois cela fait, on détaille en lamelles. Voilà. Puis on cisèle le tout. Et voilà donc nos petits cubes de shiitake. Concernant l'autre champignon, on enlève donc la base. Ce n'est pas facile à couper. On détaille en lamelles. Et d'ailleurs, je sens une certaine résistance. Alors en fait, pour vous montrer, le sang n'est pas assez réhydraté et c'est encore dur. On va donc continuer à les réhydrater avant de les émincer. Maintenant pour la farce. Prenez un grand bol ou un saladier. On y dépose le porc haché, le chou, la ciboulette asiatique, les feuilles d'ail, les shiitake en cubes, l'ail, le gingembre, le sel, le poivre,
la sauce de soja, 1 cuillère à soupe de saké, l'huile de sésame, et on va mélanger le tout pour avoir quelque chose d'homogène. On peut également mélanger avec les mains, bien sûr que j'ai préalablement lavé. Et voilà donc le résultat. Notre farce est prête, j'ai également ici les disques de pâte. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous avez pu voir comment il est simple de le réaliser. Maintenant, on dépose de la fécule de pomme de terre sur un récipient pour que les raviolis ne collent pas sur la surface. On prend un disque. On y dépose une cuillère à café bien bombée de farce. Ici, les disques sont larges, sinon, mettez juste une petite cuillère à café. On rabat et on pince au centre. Puis, on va créer des plis comme des petites vagues. Et on fait cela d'un côté, puis de l'autre. Si vous voulez souder les bords plus facilement, vous pouvez également humidifier le pourtour intérieur avec de l'eau avant de faire le pliage. On retourne les gyoza, on lui donne une forme bien arrondie. C'est facultatif si vous souhaitez des gyoza longiformes. Et on le dépose sur le récipient. On recommence, on dépose de la farce. On rabat et on pince. On crée des plis d'un côté comme des mini-vagues, maintenant de l'autre côté. On lui donne une forme bien arrondie. Et voilà donc mes 14 gros gyoza. Si vous en faites des petits avec une pâte fine, vous en aurez le double. Maintenant pour la cuisson, on prend une poêle et on y dépose de l'huile, environ 2 cuillères à soupe. On porte le feu à feu fort. Une fois la poêle chaude, on dépose le premier gyoza et on va déposer les autres en forme de rosace. C'est facultatif. Vous pouvez bien sûr les déposer en rectangle ou 5 par 5 comme au restaurant. On laisse griller la base pendant 1 minute. Ensuite, on déverse de l'eau jusqu'à un tiers de la hauteur du gyoza et on passe de feu fort à feu moyen. On recouvre et on attend 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on découvre et on laisse évaporer le liquide restant. Une fois le liquide évaporé, on y déverse un filet d'huile de sésame et on coupe le feu. Et voilà, nos gyoza sont prêts. On les dépose maintenant dans une assiette à l'envers. Et vous voyez le fond, il est croustillant. Et maintenant, le petit test. Voilà, c'est chaud. Mais c'est trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que ce recette vous a plu. Alors comme vous avez pu le voir, la préparation des gyoza est vraiment simple, rien de difficile. Il s'agit d'une part de faire la farce et d'autre part en fait de faire le pliage. Si vous avez quelques difficultés avec le pliage, vous pouvez tout à fait vous exercer avec un mouchoir, vous faites un disque et vous pincez le centre et vous faites le pliage. Une fois que vous avez réalisé en fait le pliage avec votre mouchoir, vous tout à fait vous exercez donc du coup avec la pâte. Et vous allez voir, ça devrait être très simple. Et bien sûr, sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. Et sinon, dans mes prochaines vidéos, je vais vous présenter une façon de faire les gyoza, mais de façon vegan, donc sans viande. Et vous allez voir, ça va être délicieux. Et sinon, avant de terminer, je souhaitais remercier un tipeur, Paul de Soil Labs. Merci pour ton tip, ça me fait super plaisir et ça m'encourage énormément pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur le compte Twitter, Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye !